Yo, j'espère que vous allez bien, c'est Jimador. Je vais vous dire quelque chose. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes, hein. Je vais vous dire ce qui ne va pas en ce moment. Alors, écoutez-moi bien de ce que j'ai à vous dire comme truc. Essayez de bien comprendre, hein, de ce que j'ai à vous dire. Je commence. Règle numéro 1. Qu'est-ce que vous avez fait hier quand vous êtes venu sans mon live? Qu'est-ce qui s'est passé hier quand vous êtes venu sans mon live? Il y a eu des embrouilles. Ça partait en couille. Ça commence à me faire chier. Je commence à péter un câble. Je commence à devenir fou. J'ai le droit de discuter avec ma copine. J'ai le droit de faire ça. Si j'ai plus le droit de discuter avec qui que ce soit, vous me le dites. Hein? Alors arrêtez votre connerie et foutez-moi la paix. Si vous m'envoyez faire pause de temps en temps au jeu, c'est parce que je suis en pleine discussion avec ma copine. Hein. C'est parce que en fait, si vous voulez, je vous dis un truc. Je vous dire c'est quoi le gros défaut, hein, sur ma copine. Alors, vous avez de comprendre, hein, ça va vite vous calmer, vous avez de comprendre ce qui ne va pas. Elle est handicapée elle aussi. Elle a des problèmes d'oreille, elle est sourde d'une oreille, elle ne m'entend pas, parce qu'elle n'a pas son appareil. Mais écoutez bien de ce que je vais vous dire. Je suis obligé de lui faire quelques gestes, tu sais, de signes, hein, de faire des signes, quoi, en fait, pour les sourds et muets. Mais on s'écrit des messages aussi de temps en temps. Hein? Bon. Sachez une chose. Si vous continuez à me faire chier comme ça pendant longtemps, je vous jure que vous allez tous avoir des gros problèmes. Et une petite chose. Vous me laissez tranquille. Allez, moi et ma copine, on s'en fout de pédophilie, je sais pas trop quoi. On en parle de ça? Alors vous me foutez la paix et vous arrêtez de me casser les couilles. Hein? Ma mère était venue dans ma chambre hier en me disant oh attends, j'ai oublié de te dire un truc. Apparemment, tu sors avec une fille, etc. ton truc. Alors oui, elle a 17 ans. Ouais? Et alors? Bah c'est pas bien. Voilà ce qu'elle me dit. Je dis, et alors? Et c'est tout. Puis elle est partie. Et alors? Ça vous cause problème? Parce que ça vous cause problème. Oui, alors arrêtez vos conneries. Vous arrêtez de me casser les couilles. Et vous me foutez la paix. Ça vous va pas de ce que je fais? Hein? Parce que hier, on m'a cassé les couilles en faisant comme ça. Ouais, mais bon, le gameplay doit durer 4-5 heures de ce genre de jeu. Non! On le corrige 7 heures grand max pour ce jeu. C'est pas 4 heures. On n'est pas ce Modern Warfare que tu finis en 3 heures. Ok? Arrêtez! Vous savez même pas calmer les jeux. Vous savez même pas faire les choses correctes. Arrêtez, hein, ou sinon moi je fais plus de live, hein. Et j'arrête tout. Vous arrêtez de me casser les couilles et vous me foutez la paix entre moi et ma copine parce que sinon je vais porter plainte contre vous, vous allez rien comprendre. Parce que c'est clair de ce que je vous dis. J'en ai marre de vos conneries. Oh, j'avais plus d'ennuis pendant presque 3-4 mois en arrière. Et là, vous me cassez les couilles maintenant? Non, mais arrêtez, oh! Eh! Que je vous renvoie pas sur mes lives. Parce que si j'en vois un qui est sur mon live et qui me dit pédophilie, vous êtes ban. Et j'appelle tous mes modos. Tous. Vous êtes ban. J'espère que vous avez compris de ce que je vous dis. Si vous ne comprenez toujours pas, ça fait la 40 millième vidéo. Bon, pas exactement. Ça fait la 40 millième vidéo que je fais sur le genre, j'en ai marre. Hein? Ça fait la cinquième fois que je fais une vidéo sur j'en ai marre. Alors, stop un peu. Stopping! Si vous savez pas stopper les choses, hein? Parce que, regardez. Écoutez, écoutez bien ce que je veux dire. Vous savez, j'ai un handicap.
J'ai 70% d'handicap. Écoutez bien. Écoutez-moi bien jusqu'au bout. N'écrivez pas de commentaires en disant, ouais, on s'en bat les couilles. Laissez-moi finir. J'ai 70% d'handicap. J'ai un handicap que même moi, je ne le connais même pas. Et je vous jure, parce que mon handicap, en fait, c'est savoir communiquer avec d'autres personnes. J'y arrive, mais sauf que j'ai toujours un problème de difficulté. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas faire les signes carrés, je sais pas trop quoi, tout le truc. Ne venez pas me dire, ouais, mais regarde-le, lui, je sais pas quoi, lui, pourtant, il a un handicap de 99, de 90%, et lui, c'est tout de A à Z, parce que lui, il a appris à faire des maths. On lui a appris. Parce qu'on l'a appris déjà tout petit. À faire des maths. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Ok? Bon. Alors, je continue. Voilà. Vous avez compris sur mon handicap maintenant? Ok. Maintenant, je vais parler de ma copine. Vos gueules. Vous me laissez finir. Après, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Mais par contre, vos commentaires, ils seront. Voilà. Je m'en fous que vous reveniez un milliard de fois. Parce que je vais vous dire un truc. Vous savez que je commence à en avoir marre. Hier, ceux qui étaient là, ils en avaient marre de vous ban. Mes modos, ils en avaient marre. Surtout ma petite sœur de cœur qui en avait marre de vous ban comme ça, tout le temps, à l'infini. Parce que là, c'était impossible. On va se calmer. Je peux vous dire un truc. Ma copine, elle a un gros handicap. Elle en a deux, en fait, j'ai oublié de vous dire. Le premier, sourd d'une oreille. Deuxième, au niveau de la vue. Pourtant, elle porte des lunettes. Mais elle a du mal à voir de loin. Mais elle arrive à voir de près. Elle est comme moi. Sauf qu'elle a un problème au niveau de l'œil droit ou gauche, je sais pas c'est lequel. Mais elle a un handicap sur ces deux choses. Maintenant, je vais vous dire un truc. Ma mère est au courant. Ça y est, mais elle a dit que c'était grave. Mon père, bon, je crois qu'il doit être au courant aussi. Hein, ça y est, je crois qu'il est au courant. Ma belle-mère, qui m'a dit, ouais, mais bon, c'est pas très grave et tout, voilà quoi. Mes potes, ils sont au courant. Alors ça va? Quatre choses. J'ai dit à quatre personnes différentes. Alors, ça vous choque? Oui, ça me choque, oui, moi ça me choque, oui, moi ça me choque, ça me choque, ça me choque, ça me choque, parce que t'es pédophilie, tu sors avec une gamine, t'aurais fait quoi si elle aurait eu 15 ans, tu serais sorti quand même avec elle ou pas? Si toi t'avais 50 ans, tu serais sorti avec elle, si t'avais 30 ans par exemple, tu serais sorti avec elle ou pas? Hein? Parce que vu qu'elle a 15 ans, tu vas faire 30 ans dans moins de 2 ans. Ouais, et alors? Elle va faire 18 ans dans 4 mois à peu près, 3 mois on va dire. Décembre, janvier, février, mars, même pas. 4 mois. Enfin, on va dire 3 mois. Parce que vu qu'on est bientôt au mois de décembre, on va dire 3 mois. Son anniversaire, c'est le 23 mars. Elle est née en 2005, je sais. Mais elle serait née en 2003. Oui, là, je serais d'accord. Là, elle aurait 19 ans. Mais bon, je me suis posé autant de questions parce qu'elle s'est posée la question. Elle m'a demandé si je l'aimais. Bon, elle m'a répondu oui. J'ai répondu oui. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Parce que je le sais. Deuxième, elle me dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? J'ai réfléchi pendant quelques secondes, j'ai réfléchi pendant moins 5 secondes. Au bout de 5 secondes, oui, 5 secondes. J'ai répondu, je l'ai fait, oui, vas-y, je viens être avec toi et tout. Voilà, bon, voilà, alors, une chose. Ma mère, elle a encore ça en tête, elle a un peu peur. Moi, elle, de son côté, ses parents s'en foutent un peu. On en parle de ça? Oui. Alors, merci. Voilà. Je voulais me lancer sur ça parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-cul. Vous me gavez, vous me faites péter les couilles. J'en ai vraiment ras-le-cul. Hein, soit vous me lâchez, soit je ne saurais plus quoi faire. Hein, parce que je sens que là, je sens que je vais faire un live où ça va être privé, ça va être uniquement à mes abonnés. Je vais faire un live.
où ça va être que mes abonnés qui pourront venir voir ce genre de live. Jeudi, vendredi, samedi, ou même dimanche, si jamais je fais un live, mais sauf que là, ça ne sera pas le cas, samedi, dimanche, je suis pas là. Je suis avec mon père. Enfin bref. Je vais faire un live où ça sera uniquement les abonnés qui pourront venir voir ce genre de live. Vous, hein, vous ne pourrez même pas venir. Que les abonnés pourront venir voir ce putain de live. Ça vous choque, hein? Moi, ça me choque aussi. Alors sur ce, bonne soirée à tous et venez pas me gaver parce que sinon j'ai porté plainte contre vous. Ça fait 1 milliard de fois que je le dis, mais je sens que je vais vraiment le faire pour de bon. Sur ce, bonne soirée à tous et on se dit peut-être à tout à l'heure si vous regardez un vendredi. Sinon, on se dit à mardi parce que vu que dimanche je ne suis pas là non plus. Je serai au parc des expos. On parle des expositions où il y a des anciens véhicules, tout truc, etc. Je ne ferai pas de live parce que pour une simple raison, parce que vu comment je serai habillé, tout truc, etc. Tout bordel. Enfin bref. Enfin bref. Bref. Voilà quoi. Bon, enfin bref. Sur ce, on se dit à ce soir ou à mardi. Si jamais vous voyez pas cette vidéo, si vous la voyez que le lendemain, bon, c'est un mardi, parce que ce soir il y aura un live sur Fortnite, parce que là il y aura un live sur Fortnite. Ok? Bon. Sur ce, bonne soirée à tous. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Et venez pas me faire chier!